La tension monte, mes enfants. Nous sommes heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission du record avec celui qui a décidé de passer arrête la soirée avec nous avant d'incarner bientôt sur TF1 un policier dans Commissariat Bastille. C'est Monsieur Smaïn, qui arrête pas de me faire des misères ce soir. Attention, c'est un véritable colosse, une montagne humaine que nous avons quittée tout à l'heure. Médaille de bronze, et je ne suis pas peu fier, c'est moi qui la porte, mesdames, messieurs. Aux derniers Jeux Olympiques de Sydney dans la catégorie lourde de taekwondo, il tente un record du monde pour vous ce soir. Pascal Gentil. Et maintenant, le record qui nous intéresse, l'enjeu pour Pascal, est de tenter le coup de pied sauté que vous avez eu tout à l'heure le plus haut possible. Le record précédent, détenu par Paul Ingleton, qu'on avait eu, est à 2,66 m de haut. C'est pas mal. Et du haut de son 1,98 m, Pascal va tenter de faire mieux, évidemment, pour ramener ce record en France pour l'émission des records. Michael, à combien mettez-vous la barre pour la première tentative? 2,60 m. 2,60 m, ok. C'est bon, c'est compté, vérifié, pas de problème. Pascal, on va considérer ça un petit peu comme un échauffement pour lui, hein, puisqu'on est à 6 cm du record qui existe déjà actuellement. Allez, il a besoin de vos encouragements, c'est très important pour lui. Allez, il se concentre, il faut absolument synchroniser parfaitement le mouvement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est haut, 2,60 m, très haut. Allez Pascal. Oh là là, ouais. Bon. La première tentative est réussie, attendez, ça n'est pas terminé. Nous allons maintenant monter la barre jusqu'à 2,66 m, barre égale au record actuel. Michael Feldman va vérifier. On monte la barre. Oh là ! Et oh là ! La barre est à combien, Michael ? 2,66 m. Ok, attention, ça ne plaisante plus, mes amis. La barre est à 2,66 m, c'est la distance exacte du record actuellement en cours. Donc c'est 6 cm de plus. Ah oui, là c'est déjà un gros plus. Hein. Donc là il serait à égalité. Il serait à égalité avec Paul Ingleton. Ensuite il s'agirait de le battre évidemment. Pascal. Allez. Il a besoin de vous entendre. C'est très très important pour lui, comme tous les sportifs. Il faut que cette jambe droite s'envole, littéralement, Smaïn. Ouais. Ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Fantastique, bravo. Là, ça devient sérieux, là, Smaïn. J'ai un message personnel pour Paul Ingleton. Monsieur Paul, moi je serai vous, je les aurai un peu comme ça parce que je sens que votre record il va vous, voyez, passer sous le... Voilà. Attention, à combien allons-nous mettre la barre maintenant? Non seulement le record, il faut le battre, mais il faut le battre nettement, on va pas le faire à un centimètre de plus. Non, quand là, même. Là c'est vraiment bravo parce que c'est combien de centimètres de plus? 66, donc 4 centimètres de plus. Alors attention, combien? 2,70 m. Donc 2,70 m. 4 centimètres de plus. Ah ouais. Là, c'est un record du monde qui serait vraiment, vraiment battu de 4 centimètres. C'est important, hein, déjà. Allez, Pascal! Il nous fait le grand écart facial, comme ça. Tiens, on va le faire. Allez Pascal, montre-nous qui tu es.
Allez, Pascal, montre-nous ce que tu sais faire. Il est pulvérisé, mesdames, messieurs. Il est pulvérisé. Voici la preuve. Record du monde. C'est magnifique. C'est un record du monde. Alors, est-ce qu'il peut... Pascal, j'ai quand même une question obligatoire à te poser. Je veux pas dire que ça avait l'air facile, parce que c'était forcément pas si facile que ça, mais est-ce que tu as envie de faire mieux ou on la remonte cette barre ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? C'est mon dernier mot. Ouais, d'accord. Il en reste là pour aujourd'hui. Il a fait un effort énorme pour vous ce soir dans l'émission des records. Bien, ça mérite le trophée. Et bravo. Et je suis quand même obligé de te la rendre parce que... Voilà ta médaille. La médaille et le trophée de l'émission des records. Salut Pascal. Merci. Bravo. Ciao. Et attends, je voudrais quand même juste vous montrer un truc. C'est quand même hallucinant parce que regarde, si regardez, je me mets en dessous... Jérôme, si vous pouvez faire un gros plan, regardez, mets ta main dans la mienne. Est-ce que vous avez vu la différence de... Je crois que sa main, c'est à peu près l'équivalent d'un de mes pieds, vous voyez. Tu vois, même moi, hein, regarde, même moi en ce temps, regarde. Même moi en ce temps. Allez. Oh. C'est un mec exceptionnel. Pascal Gentil, mesdames, messieurs. Merci, Pascal. Voilà ta médaille. Ouh.